6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est pile 8h qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Énergie. Le coq. Attention, juste après les infos de 8h, je vais vous donner des nouvelles d'Hélène. Ah, chouette. Hélène et les garçons. She's back. Elle est de retour. Grosse info sur Hélène et les garçons. Ce sera après les infos de 8h. On s'écoutera Lily Allen. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Les infos tout de suite. L'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, il pleut encore ce matin sur Avignon. Des pluies qui devraient se faire de plus en plus discrètes. Météo France annonce même le retour du soleil dans des éclaircies d'ici la mi-journée. Les températures en hausse vont indiquer jusqu'à 11 degrés. Et sous les parapluies, on a 5 degrés ce matin à Avignon et Bagnols-sur-Cèze, 3 à Carpentras. La pluie déjà de retour demain. De la pluie en pleine et beaucoup, beaucoup de neige sur les hauteurs. Il y a actuellement 1,50 m de poudreuse sur le Ventoux. Sur les routes de l'Est du 84, c'est encore plus compliqué de circuler. Certains axes ne sont pas dégagés. Les transports par car ne sont pas assurés jusqu'à Sceaux ce matin. Idem pour des lignes scolaires. sud-est-mobilité.fr pour plus d'infos. Dans l'actu également, la disparition d'une ado de 15 ans. Nora, élève de seconde au lycée Mistral d'Avignon, n'est pas rentrée chez elle depuis le 23 janvier. Elle aurait annoncé hier à ses parents qu'elle se trouvait avec des moudjahidines partis combattre en Syrie. Les agents de la DCRI ont saisi le PC et son téléphone dans le foyer familial pour exploiter ses contacts et connexions Internet. Le chiffre du jour, 3,5 millions, c'est le nombre de mal logés en France, annoncé aujourd'hui par la Fondation Abbé Pierre. Dans ce nouveau rapport annuel, on apprend que plus généralement, 10 millions de personnes sont concernées par la crise du logement. Du sport et du foot, pour la 22e journée de Ligue 2, l'Avignon se déplace en Auvergne pour affronter Clermont-Ferrand ce soir. Les assistes restent sur 2 victoires d'affilée, notamment face au leader Metz. L'ACA est 7e du championnat. On vise à monter le défenseur Sébastien Contini. C'est sûr que si ce mois de février il est bien négocié, ça va nous donner une direction. Si demain on fait l'un idéal, ça serait, je sais pas, 4 victoires. Bon, ça, ça serait dans les rêves. Mais demain on fait 4 victoires. On pourra plus se cacher. On est d'accord. Maintenant, lors d'aujourd'hui, je vous réponds. Prenons les matchs les uns après les autres comme on les a fait depuis le début de l'année. N'oublions pas que l'objectif c'était le maintien. Alors d'aujourd'hui, ça reste le maintien parce qu'on a que 32 points. Et maintenant, on verra par la suite si on négociera bien les 2 mois déjà prochains. Clermont ACA à 20h ce soir. On suivra également les résultats de Nîmes Tours ou encore Istres Créteil en Ligue 1, 23e journée ce week-end. Ça commence dès ce soir avec PSG Bordeaux à 20h30. La dernière recrue parisienne, Johan Cabaye, est sur la feuille de match. Il pourrait donc jouer dès ce soir dans son tout nouveau club. Le mercato se termine à minuit. On attend des annonces du côté de Monaco, Saint-Etienne ou encore Marseille. Les Olympiens qui ne jouent que dimanche face à Toulouse au Vélodrome. Voilà pour vos infos, bon début de journée. Merci de nous avoir choisis pour commencer la journée, pour démarrer, pour créer ce vendredi 31 janvier 2014. On le crée ensemble, on le démarre ensemble, on le tripote ensemble. On va en faire un vendredi que personne n'oubliera jamais, de génération en génération. Et oui, parfois je m'emporte un peu. À peine. On est là. Bon bref, on est là quoi. Tout le monde est là dans le studio, Mélanie la première. Toujours là. Auriane est au standard. Salut. Toute l'équipe est là. Ouais. N'hésitez pas à nous appeler pour nous rejoindre à chaque instant. Vous pouvez venir à l'antenne avec nous, il suffit de nous appeler. On a un numéro qu'on a mis en place pour vous qui est gratuit. C'est le 0800 70 42 48. Vous nous appelez d'un téléphone fixe, ça ne vous coûte rien. 0800 70 42 48. On va s'écouter Lily Allen dans 2 minutes. Je vais vous appeler juste avant pour doubler votre salaire. Mais avant tout ça, j'ai de grandes nouvelles. Ah. C'est le nouvel an chinois aujourd'hui. Oui. Ok, on va rentrer dans l'année du cheval de bois. Oh. Je trouve ça mignon. Ah oui, le mot est mignon. C'est marrant de dire c'est l'année du cheval de bois. Mais. Alors je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on. Tout le monde en Chine va se déplacer sur un cheval de bois. L'enfer. Auriane au standard. En tout cas, c'est plus choupinou que l'année du serpent, si tu veux. Ça fait moins peur. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est l'année du cheval de bois, donc c'est le nouvel an chinois. Et à la télé chinoise, pour le nouvel an, comme en France, ils font des grosses émissions. Oui. Des émissions spéciales qui sont enregistrées à l'avance, comme en France aussi. Et il y a des gens qui viennent faire des spectacles, il y a des chanteurs qui viennent. Et cette année, pour l'émission du nouvel an chinois, une invitée improbable. Ah bon?
Ils en sont fans en Chine. Ils la suivent depuis des années. Ils regardent encore ses séries. Ils écoutent encore ses chansons. En Chine, c'est une méga star. Mesdames et messieurs... Hélène Rollès. Et ce n'est pas une vanne. Nico Duweb va vous mettre sur manudans69.com la vidéo. La vidéo de quoi? La vidéo de ça. L'extrait de l'émission où elle chante. C'est Hélène... Je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Excusez-moi, je coupe, est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Pour eux, c'est Céline Dion. Mais bien sûr. Ok, ouais. Rendez-vous compte, c'est le nouvel an chinois. Il y a des... c'est des milliards. Ouais. Ils sont des milliards à regarder la même émission. Et voilà ce qu'ils regardent. Hélène qui chante. Je m'appelle Hélène. C'est génial. Ouais. Je suis une fille. Elle est là. Mais oui. Comme les autres. Nico Duweb. Je sais pas s'ils sont hyper en retard ou hyper en avance sur nous. Peut-être qu'elle va revenir dans quelques années. Là, on peut plus savoir si c'est du retard ou de l'avance. Ah ouais. Moi, la réalisation. En tout cas, elle a pas écrit de nouvelles chansons. Apparemment, non. Non. Je voudrais. J'aime bien. Et ce qui est marrant, c'est que tu regardes l'image. Bon, elle est maquillée, ok, mais. T'as quand même l'impression qu'elle a été mise dans du formol, qu'elle a été ressortie, c'est la même. Ah ouais. Mais elle oui. a la même tête qu'avant, Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène. Mon petit cœur bat, là. Hein. Mais bien sûr. Ah ouais, je vous le dis. Dorian, au sonneur. J'adore écouter ça, hein. Mais je me dis, les Chinois, ils doivent pas comprendre ce qu'elle dit, le sens de la chanson. Peu importe, tu laisses ton cœur aller. Tu te laisses aller tranquillement, t'écoutes. De rêve de poème. Eh ouais. Je voudrais. Mais non, je la connais pas. Mais alors, je la connais pas. Merde, je me suis grillé. La vidéo, on vous la met sur manudans69.com. Hélène invitée en Chine pour le nouvel an chinois. C'est exceptionnel. Allez, 8h07, on est à la bourre. Il est temps de doubler votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. C'est parti, je vais appeler Jennifer. Elle habite La Ruscade. C'est en Gironde, elle a 26 ans. Elle touche chaque mois 1120 euros. Elle s'est inscrite sur energie.fr pour que je lui double son salaire. Eh bien tu as raison Jennifer. Parce que oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est à toi que ça arrive ce matin. Allô? Allô Jennifer? Oui. Jennifer de La Ruscade en Gironde? Oui, tout à fait. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Ah oui. Jennifer? Oui. Je te sens émue. Gavé. Respire un grand coup. Tu respires, tout va bien. Oui. On est en train de la perdre, docteur. Revenez avec nous. Ça va, tout va bien? Ça va, tout va bien. Calme-toi, respire tranquille, je suis médecin, d'accord? Tout va bien se passer. Il suffit que tu respires tranquillement, tu t'assieds, tu prends une grande bouffée d'oxygène et maintenant tu te mets nu, tu prends une photo, tu nous l'envoies. Ah bon, vous avez pas vu, on n'a pas vu le même épisode de Grey's Anatomy, non. C'est pas grave. Jennifer, écoute-moi bien, chaque mois tu touches 1120 euros, dès le mois prochain ça va arriver pour toi, je vais doubler ton salaire, tu vas toucher 2240 euros. C'est énorme, merci beaucoup. Je t'en prie Jennifer, tu es esthéticienne. C'est ça. Tu fais quoi? Parce que alors, maintenant dans les instituts d'esthétique, on fait plein de trucs, c'est plus juste l'épilation, tu fais quoi? Tu sais faire quoi? Il y a des modelages, enfin des massages, il y a de tout, des soins de visage, plein de choses en fait, du maquillage, des ongles. On est d'accord que pour une femme, c'est génial de venir dans un institut, chez une esthéticienne. Ah oui, c'est... Eh ben, tu as 30 secondes pour convaincre Mélanie d'y aller, parce que Mélanie, je le rappelle, n'est jamais allée chez l'esthéticienne. C'est vrai? Non, mais parce que je ne peux pas, je m'excuse, hein, mais me mettre dans une position un peu inconfortable face à une femme qui est en train de te tripoter, quoi. Faudrait qu'il y ait des esthéticiens. Tu préfères que ce soit un mec qui t'épile qu'une meuf? Ah ouais, je crois, ouais. C'est incroyable. Je crois, franchement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on regarde pas, on travaille juste, hein, c'est... Oui, Jennifer, si tu me dis que tu épiles les filles sans regarder... Ouais. Ne le prends pas mal, hein. Mais je pense que doit y avoir 2-3 ratés. Je te double ton salaire, Jennifer, 2240 euros, ça arrive pour toi dès le mois prochain, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup Manu. Gros bisous. Merci à tout le monde, au revoir. 8h09 sur Énergie, vous aussi vous pouvez être aussi ému que Jennifer, c'est simple, vous allez sur energie.fr ou manudans69.com, c'est gratuit, ça prend quelques secondes, vous vous inscrivez, et c'est peut-être vous dès lundi que j'appellerai pour doubler votre salaire, 7h05 à 8h05. Lily Allen maintenant sur Énergie.